Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle iCloud et qu'on se penche un petit peu sur les fonctionnalités avancées que l'on a désormais à disposition. Donc iCloud, c'est un panneau dans les préférences système. Vous avez ici un compte que vous allez renseigner et vous pouvez activer la synchronisation entre appareils iOS et entre appareils Macintosh et éventuellement PC avec certaines limitations. iCloud, c'est avant tout un système dans le nuage, un stockage de 5 gigas que l'on peut ici augmenter de façon payante et vous avez accès à tous les éléments qui sont stockés sur votre nuage. Donc comme vous le voyez par exemple ici, si je vais sur Aperçu, j'ai deux documents. Sur Pages, j'en ai un certain nombre et ainsi de suite. Ces documents ici, on ne peut pas y accéder. On ne peut pas les lancer, on peut simplement les supprimer pour pouvoir faire de la place. Si je clique sur changer de forfait, j'obtiens les possibilités d'achat, à savoir 10 gigas, soit 15 gigas en tout, 20 gigas ou 50 gigas. Donc comme je l'ai dit, par défaut, c'est 5 gigas gratuit. Avec ces 5 gigas, vous avez la possibilité de synchroniser vos réglages de courrier et non pas vos mails, vos contacts, calendrier, les notes, les signets de Safari, le flux de photos et surtout les documents et données. Une fois que le réglage est fait, iCloud fonctionne de façon parfaitement cachée. iCloud, on ne le voit pas du tout. Si vous ouvrez une fenêtre du Finder, il n'apparaît à aucun endroit. En fait, iCloud, bien sûr, est un service dans le nuage, mais afin de faciliter l'accès à vos données lorsque vous êtes sur le Mac et ne pas nécessiter systématiquement une connexion Internet, il crée un duplicata dans votre bibliothèque. Si on clique sur « Aller » en maintenant la touche « Alt », vous ferez apparaître la bibliothèque et dans la bibliothèque, vous avez un dossier mobile document. Et c'est ici que sont planqués tous les documents iCloud. Le souci, comme vous le voyez, c'est que les dossiers ont un nom ésotérique et leur contenu n'est pas toujours très facile d'utilisation. Ça comme ça, on va essayer de faire ça ici. Si je lance par exemple une application comme Pages, j'ai le panneau iCloud par défaut. Si je vais ici dans le dossier Pages, je vais voir la même chose, c'est-à-dire que j'ai un dossier document, un dossier preview, et dans mon dossier document, j'ai la même chose que sur cette page. Si je crée ici un dossier, vous voyez en temps réel le dossier apparaître sur la copie locale. Je vais la renommer. Le souci, c'est que chaque application a son propre dossier et ne communique pas avec les autres. En faisant un clic droit, vous allez pouvoir renommer, déplacer, dupliquer, visualiser, mais vous ne pouvez pas envoyer vers une autre application. Si j'ai des documents dans Aperçu, puisque Aperçu également fonctionne avec iCloud, ce document-là, c'est pareil, si je veux l'envoyer vers Ediris, ça ne va pas être possible. Si je veux, ici, je suis obligé de le déplacer et ensuite de l'ouvrir avec. Et vers notre Ediris et ainsi de suite. Encore une fois, ça n'est pas très pratique et je suis obligé pour cela de passer par la modification si je veux le remettre. Ensuite, je le reglisse dedans. L'autre problème, c'est qu'Aperçu n'a pas d'alter ego sur iOS. Que faire si vous avez des documents que vous savez stocker sur une application que vous n'avez pas l'application qui correspond? Ici encore, pas de possibilité. Donc encore une fois, il faut faire réapparaître la bibliothèque et on peut placer éventuellement un alias
sur le bureau, ce qui vous permettra d'ouvrir Mobile Document rapidement. Reste que l'interface est tout sauf pratique. Donc par exemple, si je cherche ici aperçu, qui doit être quelque part par là, preview. Bon, bien sûr, en plus c'est écrit en anglais, je peux accéder à mon document. Et ici, en faisant un clic droit, je peux l'ouvrir avec quelque chose d'autre. Mais comme vous voyez, c'est vraiment pas très sympathique. Et je suis tombée sur un utilitaire qui va permettre de systématiser un petit peu cet accès à iCloud qui s'appelle PlainCloud. PlainCloud est un freeware, vous pouvez donner si vous le souhaitez par PayPal, et il va permettre de visualiser de façon beaucoup plus sereine les éléments qu'on va le télécharger. C'est une application très légère. Je vais la glisser dans mon dossier application. Et je vais l'appeler. Quand on est bloqué comme ça, il suffit d'aller dans le dossier application, de rechercher l'application en question, faire un clic droit, demander à ouvrir, dire que vous êtes d'accord pour ouvrir et le problème sera résolu. Donc à partir de là, PlainCloud m'affiche tous les éléments, tous les dossiers contenus dans mon cloud, mais d'une manière tout de même beaucoup plus sympathique. Par exemple, la preview, hop, si je clique dessus, il va m'ouvrir directement le contenu de preview. Je ne suis pas obligée de passer par les data, etc. Si je veux aller sur Goodreader, là, en l'occurrence, il n'y a rien dans ce dossier, je pourrais aller par exemple dans Pages et je vais accéder directement au contenu. Ceci permet d'éviter de se farcir l'arborescence et les noms ésotériques, puisque PlainCloud reconnaîtra systématiquement toutes les applications. Vous voyez, il n'y a pas Word, PDF Pen et ainsi de suite. Donc ça, c'est une première solution et ça permettra ensuite d'un clic droit d'ouvrir avec une autre application. Pensez bien que tout ce que vous sortez du dossier sort d'iCloud. Pensez à faire des duplicata si vous voulez conserver une copie sur iCloud. Ça, c'était une première solution et c'est une solution élégante. PlainCloud fonctionne parfaitement bien. Il est une application indépendante. Il ne met aucun élément en dehors de cette application et de ses préférences. Voici un petit utilitaire bien pratique. La deuxième possibilité, puisque là, c'est déjà un petit peu plus pratique, mais vous voyez quand même que pour faire passer des documents d'une application à une autre, ce n'est pas extrêmement facile. La deuxième possibilité est une application qui s'appelle CloudMate. Il s'agit d'une application payante éditée par Read When Excited. CloudMate n'est pas une application distribuée sur le Mac App Store, ce qui paraît très logique. Elle coûte environ 7$ et il n'y a aucune possibilité de l'essayer puisqu'il n'y a pas de système démo. J'ai donc téléchargé CloudMate. Je vais devoir l'activer. J'ai donc enregistré CloudMate qui est en train de scanner les différentes applications de iCloud. Alors, CloudMate offre une interface beaucoup plus macOS-like. Donc, avec ici les applications qu'il reconnaît. Donc, s'il les reconnaît, il les montre exactement comme le Finder avec les préférences ici et les documents. Donc vous voyez par exemple que j'ai aperçu, le tout étant traduit. Il est plus facile de repérer ces applications et vous avez ici les applications qui pour l'instant ne sont pas encore supportées. Vous pouvez néanmoins accéder à leur contenu, mais leur nom reste un peu exotique. Par exemple, si je vais dans PDF Pen, je vais avoir ici accès à mes documents. Imaginons que je souhaite récupérer les documents qui soient dans aperçu et les ouvrir dans PDF Pen Pro, je vais pouvoir prendre mon document, le gros problème étant la sélection, et l'envoyer dans une autre application. Je vais ici faire une copie, ce qui me permet de conserver l'original, mais il est désormais beaucoup plus facile de se faire passer des documents d'une partie à l'autre. Si vous souhaitez passer un document que vous avez ici et l'envoyer sur le cloud, même chose, vous le glissez sur l'application et vous allez avoir une copie systématique. Si j'ouvre Pages, je vais donc avoir maintenant ma copie ici disponible. L'accès ici est relativement limité. Il s'agit d'une interface qui ressemble au Finder, mais il n'y a pas de clic droit,
pas de possibilité à part le double clic pour ouvrir. C'est tout ce que vous avez comme possibilité. Vérifiez les préférences. Donc ici, pas grand chose, ouverture au démarrage et la possibilité d'intégrer CloudMate au Finder. Pour se le faire, il faudra installer Macfuse et le logiciel le fera de façon automatique. Bien évidemment, vous pouvez éviter d'installer ceci, mais ça permet un peu plus de souplesse. Donc une fois que je suis sur un document, j'ai la possibilité de le visualiser. Celui-ci a un souci, donc par exemple, je vais visualiser ce document. Vous pouvez aussi utiliser la touche espace, mais elle ne marche pas très bien. Ici, vous permettrez de rafraîchir l'affichage. Vous avez la possibilité de créer un nouveau document, un nouveau dossier. Ce nouveau dossier, vous pouvez bien sûr le renommer. Et si j'ouvre Pages, je vais donc avoir mon dossier ici et je peux ensuite faire glisser. Voilà, faire glisser. Et vous voyez que Pages affiche la même chose. Vous pouvez le glisser vers le Finder. Il fait une copie, ce qui est une bonne chose. Par exemple, là, si je supprime, je peux saisir le dossier tout entier et le recopier. Je vais avoir ici un duplicata de mes éléments, ce qui me permet de gérer. Et à l'inverse, si j'ai ici un dossier avec, par exemple, on va faire une capture d'écran. Mettre ces deux éléments là-dedans et je vais les envoyer dans une application capable de les lire, par exemple Goodreader. Je vais donc saisir mon document et le glisser dans CloudMate. Quand j'ouvrirai Goodreader sur iOS, je devrais avoir ce dossier avec tous les éléments à l'intérieur. Donc là, vous avez tout de même une façon d'accéder bien plus pratique. Ici, vous avez un classement par date ou par taille. Vous pouvez ouvrir votre sélection dans le Finder afin d'accéder directement, par exemple, si vous souhaitez l'ouvrir avec une autre application, c'est la seule technique. Et encore une fois, on peut créer ou on peut supprimer un dossier et son contenu. L'icône de partage permet d'envoyer par courrier électronique, AirDrop ou par message, que ce soit un dossier ou que ce soit un élément à proprement parler. Par exemple, là, je vais l'envoyer par message. Vous pouvez parfaitement utiliser CloudMate comme ça. Vous n'êtes pas obligé de passer puisque vous pouvez activer le Finder et même si vous n'avez pas de clic droit vous permettant, par exemple, d'ouvrir une application dans une autre application, vous pouvez ouvrir via le Finder et demander à ouvrir, par exemple, avec Sketch. Donc ici, j'ai CloudMate et je vous le rappelle, déplacé dans PDF Pen Pro mon document et je dois retrouver à la fois dans Goodreader et dans PDF Pen Pro les éléments que j'ai modifiés. Si j'ouvre PDF Pen Pro, j'ai bien un document ici qui est en train de se charger et qui est celui que j'ai déplacé. Je vais aller chercher Goodreader. Je vous rappelle que j'ai déplacé directement un dossier à l'intérieur de Goodreader. Si j'ouvre iCloud, je vais trouver mon dossier avec les différents éléments que je vais pouvoir télécharger. Et ce sont les éléments que j'avais glissés directement par le biais de CloudMate. Et voilà. A l'inverse, si par exemple je récupère un élément ici, je vais prendre cet élément, je vais le déplacer, move dans iCloud, et que je reviens sur le Mac. Ici, vous voyez que j'ai le document que je viens de télécharger qui apparaît. On va se pencher sur l'intégration à proprement parler. Vous pouvez passer par les préférences ou vous pouvez passer par le menu ici Add iCloud to Finder. Il vous propose et il vous prévient qu'il va installer un logiciel supplémentaire. Et donc, il doit redémarrer. Si vous allez maintenant sur File, vous dites Add et vous avez un dossier comme un disque réseau iCloud qui apparaît directement à la fois
vous avez des notifications qui vous préviennent de tout ce qui aura été modifié, par exemple, depuis la dernière fois. Donc votre dossier iCloud apparaît comme un disque distant. Ici, vous avez une représentation visuelle des différents éléments. Si j'ouvre PDF Pen, Text Edit, je vais ici être finalement dans une rubrique de Finder visuel. Donc ce qui me permet de naviguer ici directement dans mes éléments. Tout ceci va être modifiable. Si je le déplace, je crée une copie ou je déplace. Donc là, vous allez avoir la possibilité de déplacer. Vous allez avoir la possibilité également de faire un clic droit pour ouvrir avec autre chose. Vous allez pouvoir renommer directement et vous accédez aux réglages habituels des étiquettes et ainsi de suite. Vous pouvez choisir de monter automatiquement le disque au démarrage de CloudMate. Je vais faire quitter, donc il éjecte, je vais relancer, il remonte automatiquement le disque. Alors il y a une fonctionnalité que je n'ai pas montrée tout à l'heure, c'est l'accès au PhotoStream. Vous avez ici accès directement au PhotoStream, et d'ailleurs dans Plain Cloud ce n'était pas disponible parce que PhotoStream n'est pas situé au sein du dossier iCloud, mais dans son dossier à lui tout seul. Si je fais révéler dans le Finder, effectivement ça ne marche pas. Le dossier n'est pas au même endroit, il faut aller le chercher dans la bibliothèque. Je vais mettre comme ça, on la verra mieux. Donc dans bibliothèque, dans applications support, dans iLife Assets Management, Assets, Sub, et toutes vos images sont stockées ici. Alors évidemment, via CloudMate, c'est beaucoup plus simple. La solution, on va dire gratuite, mais pas forcément très pratique, c'est de créer un dossier. On va se mettre à la racine de Sub, et je vais chercher les images en JPG. On filtre à l'intérieur du dossier Sub et vous avez accès ici à toutes les JPG. Donc si j'enregistre ma recherche, j'ajoute à la barre latérale et je vais avoir ici. Je vais aller ailleurs. Hop. Si je me remets ici, j'ai un dossier intelligent qui me donnera accès aux images. Il ne s'agit ici que des images. Si je veux récupérer les captures d'écran, je vais en faire un autre. Ici, je vais mettre .png. Je filtre dans Sub, j'ai ici les captures d'écran, je les enregistre. Lorsque je suis sur PhotoStream dans CloudMate et que j'arrive à saisir l'image, je vais la copier, ce qui est bien pratique. Si je suis ici et que je prends l'image, je vais la déplacer. Et donc du coup, elle sortira du flux de photos, ce qui est un peu moins pratique. J'ai parlé tout à l'heure de l'additif ajouté par CloudMate qui est Fuse for OS X, qui est un projet gratuit. Vous pouvez ici l'enlever aussi rapidement que vous l'avez installé. Tout ce que vous perdez, c'est la possibilité de monter le disque iCloud comme un disque réseau. Faire un clic droit, supprimer la fenêtre. Et voilà. Donc en relançant CloudMate, il vous proposera, donc là je lui dis non, et puis basta. Là c'est désactivé, il n'y a pas de souci. Donc à partir de là, j'ai de nouveau accès à CloudMate, mais sans l'interface supplémentaire pour le Finder.